La gravité. Newton nous décrit la gravité lorsqu'une pomme lui tomba sur la tête. Depuis, on assimile souvent les scientifiques à des gens qui ont la bosse des maths. Aujourd'hui, nous allons remédier à cela. Prenons par exemple cette pierre que je lance vers vous. Trois hypothèses, effectivement. La première, vous vous écartez. La deuxième, vous l'attrapez. La troisième, ben, vous faites comme Newton. Vous attendez. Les dégâts peuvent être conséquents. Je vous l'accorde. Bon, non. Cesse de plaisanter. Tout suit la même loi. Une cause. Une. Merci. Une action. Une action. Voilà. Parfait. Ben, prenons par exemple cette pierre. Donc, si je prends cette pierre et que je la lâche. Pour vous, il y a un sentiment d'insécurité. Ouais. Donc la première réaction, ça va être de... C'est participatif. S'écarter, parce que si elle tombe, ça peut faire mal. Mais par contre, si maintenant... Elle était toute légère. Vous aurez tendance à plutôt l'attraper. Bon, allez, cesse de plaisanterie, on va faire l'expérience. Vous êtes prêts? Oui. Ah, merci, merci. Bon. Hop. Ah ben, la réaction, vous m'accompagnez sur scène. On peut l'applaudir bien fort. Bonjour. Bonjour. Je suppose que vous vous appelez pas Pierre. Non, du tout. Bon, c'est pas grave. On va faire une expérience. Vous allez voir, le cercle scientifique n'est pas si inaccessible. Voici le cercle scientifique. Oh. Oh. Voici le cercle scientifique. Oh. Merci. Pour introduire le milieu scientifique, il vous faut savoir une seule formule. Vous tous, vous la connaissez. Quel est l'air de ce cercle? Piqueton, carré. Oula, non. Il y a l'idée, je vois. On a manqué quelques cours, je pense, mais il y a l'idée. On a un indice dans les mains. Allez-y. Quel est l'air de ce carré? De ce cercle, je vous donne encore un autre indice, en fait. C'était pour être sûr d'avoir bien compris. Quel est l'air de ce cercle? Pierre. Pierre. Et après? C'est ça. Carré. Carré. Bravo. Mais vous avez des pis. Vous avez dit pi? Oui, j'ai dit pi. Pi, quand même. Elle a dit pi. Pi. Mais pi. C'est ce chiffre infini. C'est ce chiffre sans suite. C'est un nombre de décimales infini. Nous, scientifiques, c'est notre credo. Vous allez me demander pourquoi? Vous allez me demander pourquoi? Vous allez me demander pourquoi? Pourquoi? Quoi? Merci! Tout simplement, cette suite illogique, à un moment donné, si on remplace une lettre par un chiffre,
un 1 par un A, un 2 par un B, un 3 par un C. À un moment donné, on va avoir un mot. Une phrase. Un roman. Waouh. Beaucoup de chercheurs ont essayé. Hein. Le dernier en date, il a suivi que les 70, excusez-moi, je suis belge, 70 000 décimales après ce fameux 3-14. Un Indien. J'ai décidé de m'aventurer dans cette tâche lourde et d'essayer de comprendre ce chiffre. C'est le premier tome. Je dois rester ? Ouais, oui. Les 10 000 premiers. Vous allez choisir une page. D'accord. Entre 2 et 147. 53. Vous allez prendre le livre, la choisir. Vous pouvez prendre la page 53, il n'y a pas de souci. Vous gardez cette page-là. Voilà. Vous influence pas. Non. Ok. Je vais essayer de vous réciter le début de cette page. D'accord. Donc le 53. Le 3. Le 8. Oui. Le 5. Oui. Le 6. Oui. Le 9. Oui. Le 7. Oui. Le 5. Oui. Le 5. Oui. Merci. Merci. Mais c'est facile, hein. c'est le début. J'aurais pu prendre plus loin alors. Ce qu'on va faire, on va faire autre chose, on va expérimenter autre chose. Donc, vous voyez, quand on récite l'alphabet, on commence par le début, A, B, C, D, F. C'est assez facile finalement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Prenons l'expérience, si je vous demande la 14e lettre de l'alphabet. Ouh, très bien, effectivement. Oh. On peut l'applaudir. Mais généralement, c'est beaucoup plus facile quand on met une séquence avant. Donc si je prends P, Q, R, S... je pensais, oui. Bon. T, oui, voilà, et on continue. Pas grave, on va essayer de faire la même chose. Donc vous reprenez une page entre 2 et 147 et vous allez me réciter n'importe où sur cette page les 5 chiffres qui se suivent. D'accord ? Ok. Bien lentement. Bien à haute voix. D'accord ? Parfait. Je vous confie. C'est pile. Voilà, alors... Doucement, allez-y. 8. 3. 1. 4. 5. 0. 0. Je dirais 5. Oui. Le 2. Oui. Le 1. Oui. Le 8. Oui. Après, on va prendre. Je pense qu'on va prendre le 9. Tout à fait. Ah, c'est quand même magnifique. Vous imaginez que là-dedans, on peut tout retrouver. Votre numéro de téléphone, par exemple. On va pas le dire pour tout le monde, d'accord ? Votre carte de crédit. On va pas le dire non plus. Bon, on va jouer autre chose. On va essayer de retrouver votre anniversaire. D'accord ? Moi, par exemple, c'est le 18 octobre. J'espère que vous non. Ça va. Ouf. Parce que moi, je ne suis pas dans les 10 000 premiers. Donc, j'aurais eu un problème. Donc, vous allez me dire votre date d'anniversaire. Ok. 27. Non, mais vous pouvez aller plus loin. 27-05-1957. Je t'en ai pas tant. Je dis tout, hein. 27 mai. 27 mai. 27 mai.
Attendez, là, parce que... 27 mai, 27.05. Donc je dirais 167. Oui. Attendez, je vérifie dans mon esprit. C'est pas la 167. Ligne 7. Et je dirais même 7, le début, les 4 premiers chiffres. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Le 7 et le 05. Merci. On peut l'applaudir bien fort. Imaginez, Pi, ce chiffre qui peut tout renfermer. On peut avoir votre avenir. On peut avoir peut-être l'heure de votre fin. Mais aujourd'hui, je suis peut-être simplement devant vous un simple magicien, mais en même temps un chercheur. Merci. Merci.